Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la somptueuse chanson écrite paroles et musique par Carlos Tom Jobim en 1981. Alors, c'est sans doute ma chanson préférée, c'est celle dont j'adore en faire de nombreuses versions à titre personnel, mais aujourd'hui c'est pour vous, alors donc que nous allons étudier tout ça ensemble, mais de la manière la plus simple, voilà, dans une balade sans complications, car j'ai vocation à m'adresser à des débutants, voilà, à mes amis débutants. Donc j'ai transposé la tonalité originale de Do mineur en La mineur pour que je puisse la chanter sans avoir recours à la transposition interne de mon piano. Puis parce que ce sera aussi et avant tout une tonalité très facile pour que vous puissiez vous accompagner. Bien, pardon. Néanmoins, je vous recommande de toujours lire dans la description de tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin. Naturellement, si elle est à zéro. Voilà, symbolisé par les deux lettres K et T qui transposent en anglo-saxon, ben c'est qu'il n'y a rien à modifier. Comme aujourd'hui, c'est zéro. Voilà. Bien entendu, ben rien ne vous empêche hein, d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre clavier si cette tonalité elle n'est pas ajustée à votre voix. Ou l'augmenter d'un ton et demi, soit trois demi-tons. Voilà. Pour l'original, par exemple, si vous voulez la chanter comme Jobim, voilà, nous, on va être en La, vous voyez, on va jouer. Et là, je vis mes chants en Do mineur. Voilà. Donc, 1, à partir du La, 1, 2, 3, demi-ton. Ici, ça se passe ici, dans ce registre, parce que c'est un piano assez ancien, mais vous, c'est peut-être de manière digitale. Vous lisez votre manuel si vous ne savez pas où ça se trouve. Bien, puis un dernier mot, vous trouverez aussi dans une autre vidéo, sous le titre Guide, mais ceux qui ont l'habitude, hein, qui vous donnera l'ensemble de la chanson, savent que vous pouvez reproduire exactement. Et puis ça vous aidera à la compréhension générale. Alors l'introduction est apocryphe parce que c'est une adaptation que je fais, donc on va descendre de manière pour que ce soit très simple, de manière chromatique. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est-à-dire qu'à partir du Mi ici, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ici, à partir du Mi supérieur, on va descendre. En même temps que l'on monte à la main gauche, on monte à on descend à la main droite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'est-ce pas? Voilà. Donc Mi, voyons-les ensemble. Mi, Fa, Mi bémol, Fa dièse, Ré. Ensuite Sol, Ré bémol, La bémol, Do, La, Si. Et ensuite, on va résoudre, si je puis dire. Voilà. On va résoudre par La mineur avec sixième. Alors, on va regarder la gamme de La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième, dans son mode naturel, bien entendu, c'est-à-dire en degré. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va utiliser la sixte, le Fa dièse, et on va utiliser le mode mineur, c'est-à-dire au-dessus de la note tonale, trois demi-tons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est-à-dire que la tonale, on va utiliser ici la quinte. Ici, on reprend la tonale fondamentale, n'est-ce pas, la tonique, hein, c'est la même chose. On reprend la tierce mineure. On reprend là, on joue la sixte qui donne la couleur, n'est-ce pas? Voilà. Et ici, on joue le mi. Voilà. Très belle harmonie. Donc, je reprends dans le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez jouer la septième si vous voulez. Voilà. Alors, justement, on va en parler. Dans tous mes tutoriels, je vous montre quelle est la différence entre la septième et la majeure septième. C'est fondamental. Dans toutes les vidéos que je vous présente, de toute façon, c'est quelque chose d'universel. Laissez-moi vous donner une astuce. Je sais bien que c'est un peu itératif pour tous ceux qui suivent assidûment ma chaîne. Je vous en remercie. Mais pour ceux qui viendraient seulement pour cette chanson, ça vous servira partout sur tout ce que vous trouverez sur Internet. Donc dans la gamme de La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. Alors regardez bien, à chaque fois que vous prenez la note fondamentale, prenez l'octave au-dessus, un demi-ton en dessous, c'est toujours la majeure 7e. Pourquoi? Parce qu'à partir de la quinte, 1, 2, 3, 4, c'est 4 demi-tons au-dessus, c'est une tierce majeure. Donc c'est bien
Là, par exemple, la majeure septième. Et un demi-ton en dessous de cette majeure septième, c'est la septième. Pourquoi? Parce que c'est une tierce dominante mineure. Elle n'est qu'à trois demi-tons au-dessus de la quinte juste, n'est-ce pas? Ici, vous voyez, 3, 1, 2, 3, 4 demi-tons au-dessus de la fondamentale, c'est une tierce majeure. 3 demi-tons au-dessus, c'est une tierce mineure. Voilà. Donc la mineure, par exemple, hein, septième. La mineure, majeure septième. La majeure septième. La majeure, majeure septième. Voilà, cette petite astuce, évidemment, c'est valable dans toutes les tonalités en Do. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième octave, Do, Do. Un demi-ton en dessous, c'est la majeure septième, Do majeure septième. Et un demi-ton en dessous, Do septième, Do septième. Voilà, comme ça vous êtes informé de la chose. Alors, précisément, on va commencer, on a notre introduction par... Très beau, n'est-ce pas? Voilà, ça commence bien. Alors, je vous fais pas la mélodie parce que c'est ce que je vous dis, bien sûr, je la connais très bien, hein, mais on va simplement s'accompagner comme ceci. Par exemple, voyons la première ligne. Roua, espada nua, boyame oseo, imanse amarela, taredonda rua, como flutua. Ven navegando azul giù firmemente in un silenzio lento un trovador cheo di estrellas. Voyez, ça peut très bien se passer uniquement en mettant les, car évidemment ça aurait été beaucoup plus compliqué si je vous fais Vous voyez, ça c'est une formulation un peu plus, mais avec mélodie, mais ça va très bien fonctionner quand même malgré tout. Vous voyez, en balade, voilà. Donc en balade, le la mineur. Donc voyons voir. Première harmonie, on va jouer tonal, tierce mineure, quinte, septième. On va garder la septième en place. On va garder la note fondamentale qu'on bascule en haut, n'est-ce pas? La tierce mineure qu'on bascule en haut. Et on va jouer le Ré. Et le Ré, qu'est-ce que c'est dans la gamme? 1, 2, 3, 4. 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est la 11e. Pourquoi? Parce que c'est une extension. C'est également une quarte, mais une 11e. Donc on va parler de La mineur 7e, 11e. N'est-ce pas? Donc intrinsèquement, ça nous fait Sol, La, Do et Ré. Voilà. Roua. Espada nua. Vous voyez, comme ça, c'est très pratique. Je vous les ai groupés, vous les avez juste à côté. Donc, d'abord, la mineur. Bien entendu, vous jouez le la, vous doublez profondément avec... Mais j'ai pas de grande main, mais ça fonctionne très bien. Vous attrapez le la ici et le la du bas. Pardon. Hop là. Et vous pouvez commencer. Rua, d'accord. Espada nua. Ensuite, deuxième harmonie. Nua. Alors, Ré 7e, gamme de Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeur 7e, octave. Tonale, tierce, quinte, 7e. Et là, la tonale, bah, tonique, on va la positionner, le Ré en haut. Voilà, tout simplement. Donc, on joue la tierce majeure, la quinte, la 7e et la fondamentale que l'on a basculée en haut. Voilà. Et évidemment, je viens le jouer avec une seule main à l'intérieur. Donc, vous voyez ce qui nous fait basculer tout simplement? Le pouce vient descendre d'un demi-ton. Vous voyez, du sol au sol bémol. Voilà, c'est très pratique. 1, 2. Donc, je reprends avec le chant. Rua, espada nua, boyane oseo. Et là, il passe du mode majeur au mode mineur. Vous voyez, en Ré. La tierce est mineure. Et donc, regardons déjà la gamme de Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec la 9e. N'est-ce pas? Donc, vous allez jouer Ré, Fa. Donc, c'est Ré mineur 9e.
Ré, Fa, La, Do et Mi. Alors, depuis le début, tout simplement, Roua, Espadanoua. Après, vous mettez juste le petit tempo, vous voyez, de balade. Hein. Boyané ou Séou. Alors, Séou, donc Ré mineur 9e. Alors, évidemment, Imenta-bam-bam. Bon, mais ça, c'est plus difficile, donc vous restez comme ça. Roua, Espadanoua. Là, vous jouez mi septième. Alors, mi septième, gamme de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave, tonal, tierce, quinte, septième. Mi, la bémol, si et ré. On revient sur la deuxième strophe. Vous voyez, c'est très facile, hein? Roua, Espadanoua. Donc la mineure, on l'a vu, 11e. 7, 11. Ici, on va jouer Ré 7e. Boyané aussi, Ré mineur, 11, 9e. Imense amarela, mi 7e. Taredonda. Et on revient sur la mineure 7, 11. Como flutua, Ré 7e. Venne vegando, même chose, Ré mineur au 9e. Azul giù firmamento. Alors, la 7e. Gamme de la, on l'a déjà vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce, quinte, 7e. Là, il s'agit de. On est repassé. Il alterne toujours mode mineur et majeur, ce qui est très beau, bien sûr, c'est payant. Je vous propose à ce moment-là de renverser la 7e. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que le sol, de le mettre en bas. Firmamento in un silenzio lento. Ré mineur 7e, renversé. Tonal, tierce, quinte, 7e. On garde la quinte et la 7e en place. La note fondamentale en haut et la tierce mineure en haut. Voilà. Donc ça nous fait La, Do, Ré et Fa. Ensuite, trovador. Ensuite, Sol 7e. Évidemment, je vous épargne. Chaque fois que j'annonce la fondamentale, la tonale, tonique, appelez-la comme bon vous semble, c'est toujours celle-ci, la fondamentale, que vous jouez à la main gauche, hein, bien sûr, hein, et vous la doublez. Hein. Donc, trovador, sol septième. On n'a pas vu la gamme de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Tonale, tierce, quinte, septième. Vous voyez, pour corroborer mes propos, la septième est bien au pied d'un demi-ton de la majeure septième qui elle-même est au pied du sol tonal. C'est pas fondamental. Voilà. Donc sol septième. Do majeur septième. Voilà. On corrobore un demi-ton en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Tonal, tierce, quinte majeure et majeur septième. C'est-à-dire Do, Mi, Sol et Si. Allez, on reprend tout doucement depuis le début, à plat, et après il vous suffira de mettre simplement le tempo. Roua, Espadanoua, Boyané o seu imense amarela, Taredonda lua, como flutua, venne vegando, azul giù firmamento, in un silenzio lento, un trovador. J'adore ça. Ensuite, Escudagora. Voilà. Alors, Si mineur 7 quinte diminué. Pas de panique. Gamme de 6. De Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majeur 7e octave. Tonal, tierce mineur. Quinte majeure, mais on va la baisser. Si mineur 7 quinte diminué. Et la 7e. Voilà. Donc, avec des blanches, mais on va faire un renversement. On garde la tonale et la tierce en place. La quinte diminuée, on va la renverser, le Fa en bas. Et la septième, on va la renverser en bas. Voilà. C'est simplement un renversement. Voyez? On utilise celui-ci. C'est tellement très simple, hein? Donc, Fa, La, Si, Ré. Alors, donc, Escudagora, Consao que eu fiz, mi septième. Alors nous, on va rester en place, donc mi septième, tonal, tierce, majeur, quinte et septième. On a déjà vu, hein, mi, la bémol, si, ré. Pragisque Saint-Louisa,
re la septième, sol, la, ré bémol, mi. Et sous apena sum pobre amado, re ré mineur septième. Alors au niveau mélodie, ça nous fait... Vous n'avez pas la jouer, hein, bien sûr. Hein. Donc, escudagora, agansan ke ufish, prajes ke saluis, et sua penas un pobre amado, un cochonado, un aprendiz, yo te amo, acorda que yo sé que un bajo de este Donc, revenons à nos moutons, là, parce que je m'emporte, là. Je voulais m'excuser. Oui. Donc, reprenons à Escudagora, si mineur, 7 quinte diminuée, à Kansak et au Fish. Donc, nous, on va tout simplement faire notre balade, mi-septième, hein. Pragisque c'est Luisa, la septième, et sous Apena, son pauvre amado. Ré mineur, septième, vous voyez. Apachanadu, comme ça on passe sur sol septième. Ou m'apprendis. Alors on va utiliser un renversement de do majeur septième. Vous voyez, comme ça on est dans le groupement des notes. C'est très facile. Tonal tierce quinte majeur septième. On garde la quinte la majeure septième. Évidemment, c'est la note fondamentale qu'on bascule tonal. Et le mi, la tierce majeure qu'on bascule. Ça nous fait sol. Si, do et mi. Voilà. Alors, je ne m'apprenne. Do, tu, amon. Là, on peut jouer Fa majeur 7ème. Donc, gamme de Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7ème octave. Tonal, tierce, quinte, majeur 7ème. Fa, la, do, mi. Accordiamo, que ou sei. Alors, donc, doum, accorde à manquer ou sei, 7ème. Gamme de si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonal, tierce, quinte, 7ème. La fondamentale, tonal, on la joue déjà à la main gauche, vous pouvez très bien vous en dispenser, vous pouvez l'enlever, et en revanche, le la, la 7ème, vous pouvez la basculer en bas, c'est beaucoup plus joli, vous voyez. Donc ça nous fait la, mi bémol et sol bémol. Que un bacho desta neve. Donc, c'est si mineur septième, mais moi je préfère le renverser. Voilà, le renverser. Donc, si, tonal, tierce mineur, quinte et la septième. Gardez la tonale, la quinte, la tierce, pardon, mineure. La quinte, vous la basculez, c'est-à-dire le fa dièse. Et la septième, vous la basculez. Voilà. Donc, si, ou alors si vous voulez la jouer là, vous le faites, hein, bien sûr. Hein. Moi, je le préfère ici. Hein. Après, c'est les couleurs des renversements, on appelle ça. Donc, Fa dièse, La, Si, Ré. Alors, Si bémol, septième. Gamme de Si bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur, septième, octave. Tonal, tierce, quinte, septième. Je garde la fondamentale, la tonale, je garde la tierce. Le Fa, je le bascule en bas, c'est-à-dire la tierce majeure. Et la septième. Hop, ça bascule en bas, c'est-à-dire le La bémol. Voilà. Si bémol septième. C'est beaucoup plus agréable, voyez-vous. Alors, on y retourne tout doucement pour le premier couplet. Hein. C'est la fin de notre premier couplet. Rua, espada nua, boyane o seu imense amarela, taridonda lua. Como flutua, vem navegando azul do firmamento, e no silêncio lento, trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Es apenas un pobre amado, apaixonado, aprendiz, yo te amo,
Akodamo ke usei ke umbashu desta neve moranko moranko rasa donc neve moranko rasa c'est pas voilà maintenant avec Non, c'est pas très utile. On va faire le deuxième couplet, c'est plus intéressant. Vous avez compris qu'il vous suffit simplement de mettre, vous mettez le tempo bon ensemble quand vous en avez envie, hein. C'est-à-dire roua, si vous voulez commencer dès le début, roua, espada nua, boyane o seu imense amarela, da redonda lua, como flutua, vem navegando azul do firmamento. No silêncio lento, trovador de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu suponho um pobre amado, apaixonado, aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo deste neve mora coração. Voyez, vraiment, vous mettez le tempo que bon vous semble, ou alors si vous préférez rester très pur, par exemple, voilà. Rua, espada nua, vous pouvez délier aussi, hein. Et si vous voulez vous essayer la mélodie, évidemment. Vous pouvez pas. Évidemment, hein, vous pouvez, hein, mais ça va être plus difficile, bien entendu. Donc, c'est pas mon propos. Malheureusement, le temps tourne. Deuxième couplet, mes amis. Vem cá. Donc, mi, fa, Luisa. La mineur 7, c'est exactement notre même harmonie avec la 11e. Hein. Je reviens pas dessus, hein. Luisa, mi la tua mano, même harmonie, ré 7e. Et au tout de seixo, ré mineur 11e. Sempre au meu desejo, mi 7e. Vem mi exorcisa, la mineur 7, 11e. Hein. Qui met la tua boca, ré 7e, et à Rosa Luca, ré mineur 11e, donc, ben mira, donc, pardon, Luca, ben mesdames, et un bijou, la 7e, et un rayo de sol, ré mineur 7e, nos teus cabelos. Alors, c'est là où il y a un changement. Comme un brillante. Alors là, vous allez jouer 12 septième renversé. Donc vous voyez tonal, tierce, quinte, septième. Vous gardez la quinte, la septième. Et vous allez pouvoir jouer la note fondamentale en haut. Donc là, vous gardez la quinte, le sol, le si bémol et le mi. Alors, comme un brillante, patinji à louche. Alors ici, vous allez jouer là. À la main gauche, n'est-ce pas? Et vous allez jouer un sol diminué, septième, à la main droite, c'est-à-dire sol, si bémol, ré bémol, mi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sol diminué? C'est un sol septième, voilà, dans lequel on a diminué, on garde la note fondamentale, on a diminué la tierce, on a diminué la quinte, on a diminué la septième d'un demi-ton, voilà. Donc sol, si bémol, ré bémol, mi, et vous allez jouer là à la main gauche. Alors je reprends comme un brillante qui partinge à louche, vous voyez, explodisse M7i, Fa majeur 7e, corévelando un temps, Ré mineur 7e, O 7i mi amore, Si mineur 7 quinte diminué que vous connaissez, hein, Fa, La si ré, que eu guardei. Que eu guardei seu mendi, mi septième. E alors là, pra di da Luisa. Alors, Fa majeur septième. Donc, pra di da, c'est pour juste vous donner une indication de chant. Hein. Pra di da Luisa, Fa majeur septième. Luisa.
Ré mineur septième, Louis A, Si mineur septième, et là vous rejouez l'intermédiaire, Si septième, Mi septième, Louis A. Et là, cette fois-ci, vous mettez la majeure septième. Vous voyez ? Au lieu d'avoir au début, on a utilisé la sixte, là on va jouer la majeure septième. Évidemment, c'est un goût personnel, mais c'est un cover, hein, moi, voilà. C'est beaucoup plus beau. Bien, alors, on revient tout doucement sur le deuxième couplet à partir de la fin. Quand la monkey ou sei, qui un bacio neste neve, mora un corazon. Imagine, voilà. Venga, Luisa, mi la tua mano. Io ti desiglio e sempre io mi desiglio, ma mi esorcisa, mi la tua bocca, e a cosa lunga ven me dai un beijo, e un raio di sole nos teus cabelos, come un brilhante che patendia a luz, explodi em sede. Revelando então eu senti minha amores que guardei somente pra te dar Luisa, Luisa. Je vous fais faire des arpèges comme ça, hein? Luisa. C'est très simple, hein, vous voyez, c'est-à-dire que je ne fais que reproduire les notes dans la continuité comme une harpe, hein. N'est-ce pas? Ensuite là, donc on fait une petite transition. Apostille, si bémol septième. Mi septième, c'est très beau. Hein? Et encore, voilà, je simplifie tout. Hein? Louisa. N'est-ce pas? Voilà, la majeur mineur, majeur septième. C'est très beau. Et d'ailleurs, avec, vous pouvez utiliser 1, 2, la neuvième, hein, voyez-vous. J'ai oublié de vous le montrer, ça peut-être. La neuvième, c'est-à-dire la seconde. Comme c'est une extension, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup plus beau comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme il nous reste il nous reste dans le temps imparti, parce qu'après les vidéos, il faut faire un format. Enfin, bref, je vous propose de reprendre toute la chanson tout simplement depuis le début. Lentement, uniquement plaqué, d'accord, comme ça, après vous mettez le tempo que bon vous semble, donc 1, donc d'abord la main gauche, après la main droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, avec la sixte, hein, voilà, allez, roua, espadanoua, Voy a neoseo immense amarela da redonda lua, como flutua, vem navegando azul di un firmamento, e no silenzio lento un trovador, che oggi strelas, mia escuda agora ganza o che eu fiz. Pra te esquecer, Luisa, sua apenas um pobre amado, apaixonado, um aprendiz de teu amor, acordamos que eu sei, e um baixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luisa, me lá. Tua mão, o teu desejo e sempre eu me desejo, vem me exorciza, mira tua boca, e a rosa louca vem me dar um beijo, e raio de sol nos teus cabelos, como brilhante que patente a luz, explode em sede. Revelando então
Você tinha me amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa, Luísa, Luísa. Voilà mes amis, je pense que vous avez tous les outils. Peut-être que je vous fais à la fin, allez pour quelques minutes, si vous voulez. Roua, au cas où vous les voyez. Vous. Allez, allez. Roua, espada nua, boyane o seu imense amar, de la tare donda lua, com o flutua, ben navegando a jojo firmemente. Silêncio lento, trovador cheio de estrelas. Eis por agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. E sua coração pobre, amado, apaixonado, aprendiz de teu amor. Acordamos que eu sei. Fait dans la précipitation, mais parce que voilà, je vois le temps. Voilà, vous avez tous les outils normalement pour pouvoir faire. Voilà, c'est la d'habitude. Vous avez une version bossa nova, mais là, c'est pas du tout une bossa nova. C'est une chanson que j'adore éminemment. Donc, j'espère que vous pouvez vraiment vous en sortir. Voyez, avec vraiment. Les accords plaqués. Hein. Maintenant, si la 11e vous gêne, par exemple, parce que c'est le début de la mélodie, hein, vous pouvez toujours jouer que la 7e, par exemple. Hein. Voilà, roua, espada nua, voyez-vous, roua, ce n'est pas, j'allais dire, c'est la 11e, hein. Roua, espada nua. Vous pouvez très bien jouer sur le La mineur, hein, si une couleur vous plaît plus, là vous avez la base. Hein. Rua, espada nua, boyane o seu imense ama, bela tare donda en lua, como flutua. Oh, j'arrête, je m'en lasse pas. Non. Bon, merci mes amis de votre fidélité, merci de votre bienveillance. Et j'espère que tous ces tutoriels vous plaisent parce que moi, ils me passionnent. Et n'hésitez pas à explorer toute ma chaîne. Vous découvrez mon grand amour, bien sûr, pour Carlos Tom Jobim. Je vais consacrer une playlist, mais vous avez des chansons latines aussi avec Chico Buarque, Luis Bonfa, enfin, tous les grands compositeurs brésiliens. Et vous avez surtout une playlist qui me tient très à cœur parce que c'est la passion de ma vie, c'est Michel Legrand. Voilà. Donc, je me suis efforcé de faire j'allais dire, les tutoriels les plus simples et mettre à la disposition de tous les débutants. Il n'y a rien de sophistiqué, j'ai tout simplifié. Donc, en revanche, néanmoins, parfois, je ne peux pas tout chanter dans une tonalité très simple hein, pour vous le proposer comme ceci. J'ai recours parfois à la clé de transposition, vous voyez, donc sur votre piano numérique.
Mais qu'à cela ne tienne, vous, après, si ça ne vous convient pas, vous revenez à tonalité originale ou vous augmentez plus un. On a tous tellement des registres de voix tellement différents que c'est pas qu'il y en ait des meilleurs que d'autres. Voilà, parce qu'un ténor est moins bon qu'un baryton basse. Non, c'est une nature, une texture totalement différente. C'est pas équivalent. Voilà. Donc merci en tout cas de votre compréhension et n'hésitez pas, je vous dis, j'ai à tout explorer. Normalement, vous devriez vous régaler parce que moi, je me régale aussi. Voilà. Donc le guide pour regarder l'ensemble de la chanson, le résultat que vous pouvez obtenir normalement si vous suivez bien nos instructions ensemble. Et puis le tutoriel, j'essaie de vous détailler au moins. Je vous détaille aussi les harmonies pour que vous sachiez que ce que vous faites. Voilà, et que le nom des harmonies, la manière dont finalement on les nomme, et puis surtout, voilà, le nom, le détail des notes, et que vous compreniez dans quelle gamme ça se situe, comment la base, quoi. Voilà, au moins que vous ayez la base, que vous ne fassiez pas n'importe quoi pour dire, ah ben oui, mais après cette note, il y a celle-ci. Non, que vous aligniez des harmonies avec ce qu'on appelle un sens. Voilà. Donc merci en tout cas de votre bienveillance, de votre attention, et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.